À l'aimable invitation du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, les travaux de la 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC se sont tenus à l'auditorium du Palais Rénovation. On prit part à cette rencontre les présidents de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, et des représentants des chefs d'État de la République du Cameroun et de la République centrafricaine. À l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC, a indiqué que cette 12e session ordinaire se tient dans un contexte sécuritaire sous-régional préoccupant, notamment avec la crise centrafricaine, les problèmes de sécurité régionale et le contexte économique actuel. Pour Ali Bongo Ondimba, la CEMAC doit parvenir à assurer la sécurité de ses populations. Nous devons montrer à nos peuples que la voie de la justice et de la prospérité partagée réside dans nos modèles de développement et nos institutions basées sur le respect de la vie humaine et du droit séculier. Pour cela, nous devons redoubler d'efforts pour que nos réformes soient couronnées de succès sur le plan sécuritaire, économique et social. La CEMAC doit parvenir à assurer la sécurité de ses populations. L'initiative du Tchad au Nord Cameroun est un excellent indicateur qui mérite les compliments de toute la communauté. Faisant état du contexte économique actuel dû à la diminution de la demande mondiale en pétrole, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a une fois de plus mis l'accent sur la nécessité de poursuivre la diversification des économies de la sous-région. Plus que jamais, la diversification de nos économies se révèle être une nécessité absolue. La quasi-totalité des États membres de la CEMAC s'est dotée de plans de développement ambitieux pour la mener à bien et assurer ainsi une prospérité durable à nos populations. C'est pourquoi je souhaite que cette session ordinaire de la conférence des chefs d'État soit l'occasion d'évoquer des réformes structurelles. Approfondir notre intégration devient, tout le monde l'aura bien compris, un impératif pour le développement soutenu de notre communauté. Il faut rappeler que la CEMAC a pour mission principale de promouvoir un développement harmonieux des États membres dans le cadre de l'institution d'un véritable marché commun.